soyez juste concernés ensemble, épaulez-vous ensemble, il n'y a rien d'autre à dire. On a créé un groupe et on le sent tous. C'est pas nous la clé, hein. C'est vous, hein. Vous avez compris qu'il faut être concerné maintenant. C'est pas un groupe de 14, c'est un groupe de 22 qui tournent et qui s'épaulent. Ceux qui sont là, ils vont jouer leur rôle à fond quand ils vont rentrer. 20, 15, 30, 40, 50 minutes. Ceux qui rendent service à l'équipe, ils vont le faire aussi. Vous voyez, là, le pressing est bien fait. Vous voyez, et là, ça perd la balle très haut. C'est exactement ce qu'on doit faire. Féti, et là, il faut frapper. Il va tenter la spéciale. Oui, oui. Voilà, voilà, la spéciale. On avait dit. C'est rassurant pour la suite, parce que c'est des matchs qu'on sait où on peut se faire peur. C'est des matchs où on sait où on peut perdre des points. Mais comme on l'avait bien très prédit, on a pris la première demi-heure et on a fait le travail. On a fait le taf, une journée au bureau. Rendez-vous la semaine prochaine, bientôt messieurs. Bon les gars, bah déjà bonsoir à tous. Vous savez, chaque année, il y a deux arrivages souvent de crampons paire Adidas. Donc je vais vous appeler, vous pouvez venir chercher la paire. Émir. Des X. Tiens. Merci. De rien. Maxime, il est pas là, je pense, Maxime. Adrien, Titi. Nouvelle paire. Allez, thank you. Pas de soucis. Alors, il y a écrit quoi? Il y a écrit Abdé, ouais. Abdé, Abderrahman Dafran. Steven. Bon, t'as un maillot de Marseille, mais je donne quand même. Voilà les gars, merci beaucoup. Bon entraînement. De rien. Alors, le but du jeu, c'est de partir de la coupelle. Vous faites des 1-2 entre les coupelles. Arrivé au bout, il y en a un qui la prend à la main, donc l'autre, il lui jette comme ça. Et il fait une touche au suivant. Ok, l'équipe doit passer 3 fois. La première équipe qui termine, elle gagne. L'équipe gagnante, ouais. Ils ont tous une nouvelle chaussure. Hein. Laisse pas trop. Ça. On est aérien. On perd un maillot. Ah, montrez vos chaussures, les gars. Allez, Camille, là, on a Camille est plus allié avec eux. Ça fait 3, vous avez gagné, c'est bon. Ok, ramassez les coupelles. Merci. Ouais, Mézières, on a gagné chez eux 4-1, il me semble. C'est une équipe qui nous attend, je pense, ici chez nous. Ils ont une bonne équipe, ils ont 4-5 joueurs qui sont vraiment bons. Après, voilà, moi, j'ai vraiment, vraiment confiance en mon équipe. Je sais que, de toute façon, quoi qu'il arrive, jusqu'à la fin de saison, on va essayer de chercher la victoire à chaque fois. Ils vont tout donner pour, ils vont tout faire pour. Après, ouais, tout peut se passer en D4, hein, on l'a bien vu tout au long de la saison. Tout peut se passer, et, malheureusement, moi, je ne serai pas là. Donc je donne les rênes au coach Romain. J'ai vraiment confiance en lui, en mon équipe, et je pense que ça va bien se passer. Alors entre nos trois équipes là, il y a nous, Bréval et Vauxoise. Je pense que c'est pas mal tendu. On a réussi à se placer avec quelques points d'avance où du coup on peut souffler un peu. Mine de rien, après Mézières, on va recevoir Vauxoise. Équipe où chez eux on a fait 1-1, c'est une très bonne équipe. Ils ont des très bons joueurs, ça se bagarre beaucoup, enfin quand je dis ça se bagarre beaucoup c'est sur le terrain, hein. pas avec les points mais justement avec les pieds et le ballon. Je pense que là il va falloir qu'on sorte, de toute façon dans les trois prochains matchs qui viennent, donc il y a Vauxoise, Bréval et Verneuil si je ne me trompe pas, il va falloir je pense qu'on sorte nos meilleurs matchs, parce que c'est là où tout va se jouer à mon avis, parce que si on perd ces trois matchs là ça peut vite remonter sur nous, et par contre si on gagne les deux prochains matchs je pense qu'on peut avoir un certain confort. Et du coup, ce sera beaucoup plus sympa pour la fin de saison. Du coup, le match contre Mézières aussi, on a décidé de faire tourner l'équipe parce qu'il y a pas mal. Du coup, on a une équipe assez conséquente pour une seule équipe de seniors. On a pas mal de joueurs, donc le but c'est aussi de faire jouer ceux qui jouent le moins. C'est pas forcément les moins bons, mais c'est juste que bah, forcément, il y a beaucoup de bons joueurs. Donc après, pour gagner sa place, ça se gagne sur les présences aux entraînements et surtout aussi sur les matchs, l'efficacité. Et donc Vincent, c'est celui qui est le
un des plus présents à l'entraînement, donc il méritait de jouer aussi. Depuis la blessure de Nero, du coup, pensez à lui d'ailleurs, parce qu'il s'est fait les croisés. C'était notre capitaine, notre capi, joueur très important pour l'équipe. Et donc du coup, on a dû remanier la défense, qui est par contre très très bonne depuis qu'ils ont repris les rênes. Donc ça fait IB dans l'axe avec Emir souvent. Max à gauche, Alice à droite. J'ai vraiment confiance dans cette nouvelle défense qui font des très bons matchs et on prend pas beaucoup de buts. Donc bon, après ils ont de la chance parce qu'on a un très bon gardien aussi. Mais ouais, du coup non, ils sont très solides derrière et ça fait plaisir. Ils ont su reprendre la main derrière la grosse blessure de Nero qui nous manque pas mal d'ailleurs. Et Djibril qui nous sauve la vie sur certains matchs qui descend d'un poste quand on a des absents. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for tax. On apporte un petit peu de rotation dans le groupe. On a la chance d'avoir un gros groupe et de voir tout le monde sérieux à l'entraînement. Donc on commence à apporter quelques rotations. Notamment Vince qui vient avec nous aujourd'hui. Georges et Raïm qui reprennent leur place, d'accord. Donc on apporte toujours autant de sérieux. On sait qu'on peut faire confiance aux gars qui sont là, même s'ils doivent apporter de 10 minutes à 80 minutes, peu importe. En tout cas, ils seront là, ils donneront le meilleur. Donc on reste tolérant, on reste agréable et on reste positif sur tout ce qu'on apporte, d'accord. C'est Georges, surtout Georges et Vince, il va falloir qu'ils reprennent, même si on s'entraîne sur les mêmes schémas tous ensemble. Il y a peut-être des choses qui vont être moins instinctives, mais ça va venir. Les points clés, on va revenir sur ce qu'on a dit à Fontenay, hein. Pas besoin de s'écrire d'histoire, on prétend à quelque chose. Vraiment, la seule idée, c'est que nous, on reste sérieux comme on l'a fait à Fontenay et qu'on aille chercher tous nos matchs un par un, d'accord. On joue Vaux dans 2 semaines, venez, on prépare Vaux correctement et on joue Bréval dans 3. Donc si on prépare nos matchs sérieusement, on n'a pas besoin de trembler. Ok, mais pour ça, il faut avoir la même attitude que vous avez eue à Fontenay la semaine dernière. Vous êtes arrivé sur le terrain avec de l'envie, de la détermination et du sérieux pour vous mettre le match très facile. J'aimerais aujourd'hui qu'on essaye de défensivement se rassurer encore là. Envoyer un message fort pour les 2 prochains gros matchs qui arrivent. Voilà, on ne prend pas de but. Aujourd'hui, c'est vraiment ce dont on a besoin. D'accord ? Pour le petit, ils ont gagné 4 matchs, 1 match nul, 10 matchs perdus. Ils ont pris 35 buts, mais ils en ont marqué 20. Et nous, on est la 4e meilleure défense. Donc on prend aussi des buts. Il y a beaucoup de vent. Le vent est de ce sens-là. Donc on l'a ni de face ni de dos, mais il y a beaucoup de vent. Donc on joue sur nos qualités en l'air. Et tout ballon long qu'on doit envoyer sur nos flèches, là, on fait attention à ça. OK ? Et j'utilise la largeur. On explose toutes les équipes en deuxième mi-temps. Toutes les équipes en deuxième mi-temps. Donc calme, calme. On a le temps. Première mi-temps, jouez votre jeu, testez des choses et on arrive en deuxième mi-temps, on aura toujours le même jus. Calme, ne vous précipitez pas, faites-vous confiance, pas de panique. Je te chambrerai tout à l'heure en te disant, pas de panique, cool. Hey, jouez au foot, faites-vous plaisir comme vous le faites depuis plusieurs semaines, ça marche, on passe des bons moments, on a un groupe qui vit, continuez, ça se ressent sur le terrain. Ok les gars ? Allez, bon match les gars, allez, c'est parti, allez. Salut à tous les gars, je vous souhaite tous très bien. Derrière votre écran, c'est Vinsky et c'est Samsam pour commenter aujourd'hui le match qui va opposer le Vinsky Football Club à Mézières. Donc pour le classement, vous l'avez sous les yeux avec notre club, le Vinsky FC, qui est premier avec actuellement 6 points d'avance sur Bréval qui est deuxième. D'ailleurs, Bréval, on n'a fait aucun match contre eux, ni l'aller ni le retour à cause de terrain impraticable. Donc il va falloir faire ces deux matchs. Vauxoise, attention, qui ont un match de retard, ils sont à 27 points, donc potentiellement ils sont à 6 points de nous. Et la composition, elle est juste sous vos yeux maintenant. Donc nous avons Herman dans les cages, ça change pas. Défense à 4, Ibrahim et Mir. Vas-y. Vincent qui revient à gauche, Maxime qui passe à droite, milieu à 3 avec Djibril à la récupération, on a Shems et Georges en milieu relayeur, et les 3 attaquants sont Nathan Villa à gauche, Chris à droite et Raïm. C'est ça exactement, donc voilà pour la composition. Alors ce qui est à noter, c'est Vincent qui va jouer, l'un de ses premiers matchs en tous les cas, il a joué un match officiel. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace chunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back. Ne prends pas la tête, le sport, le foot c'est un sport de situation. Plus tu seras léger dans ta tête, plus ce sera simple. Dans ta tête, on s'en fout de savoir ce que tu vas faire parfaitement. Fais, on adapte. Porte la balle une fois, si tu te fais sécher au bout d'un moment donné parce que le ballon il tombe vite dessus, ok, je m'adapte. Ok, je vais jouer plus vite. T'as des joueurs avec toi autour de toi qui vont relancer la balle. Raïm, il a pas la capacité de la garder, il est trop mort. Il a 10 kilos de trop, il va faire une demi-heure. Pas de souci, il va te la remettre. Shams,
il sent le football. Il est comme il est, mais il est comme toi. Vous sentez le football. Donc zen, zen. Ok ? Fais-toi plaisir surtout. N'oublie pas que ça reste un sport de plaisir. D'accord ? Fais-toi plaisir, mon grand. C'est bien, on montre de la sérénité, j'ai l'impression, sur cette première partie de terrain là, pour aller toucher nos 10, on va peut-être même rajouter un 10, là il y a un 10, on monte un peu de sérénité. Donc c'était intéressant, j'ai pas trop eu peur défensivement, on m'avait rassuré, j'ai l'impression que tout le monde s'est compensé, on a jaugé le vent une fois et après vous êtes compensé. On a cette zone morte un peu là, on n'arrive absolument pas à trouver la passe juste. La passe juste. C'est que dans les petits espaces, on a compris, ils sont à la ramasse, là ils ont couru, ils ont donné toute l'énergie du monde là, sur cette première mi-temps, comme un match aller. Et la bonne passe ici, ouais, c'est ça. Hop. La bonne passe ici pour nos excentrés. Là j'ai mis un peu de profondeur avec Taïr devant, qui va aller chercher un peu plus, parce qu'on avait trop de joueurs de ballon au milieu.
Et il y a Raïm qui est un peu plus en 10 ici. Là, on n'arrive pas à trouver cette bonne passe. Cette bonne passe-là. Ou à l'inverse. Et ça, c'est juste qu'à un moment donné, on se complique un peu trop la vie. Shams, tu fais des choses techniquement. Waouh, il n'y a pas de souci. Moi, aucun de tes coéquipiers, ils ont un doute là-dessus. C'est propre, c'est fluide, c'est rapide. Mais tu dois prendre l'info avant. Tu dois utiliser ce geste pour t'amener à la passe que tu as vue avant. Toi, tu utilises le geste et tu choisis où tu vas mettre la balle après. Et ça, c'est ce que j'ai dit à Jib à un moment donné, qu'il a très bien corrigé. Ibé le fait depuis le début du match. Emir aussi a très bien corrigé. C'est nous, il l'a dit, Arman, c'est à nous d'imposer quelque chose. Donc, moi, je veux bien avec le calme, mais à la 33e, quand il y a 0-0, et on est calme à faire tourner derrière, ouais, mais non. Le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, il va être essentiel. Il va être essentiel. Il faut rentrer là et appuyer. Appuyer direct. Être juste dans les passes. S'écarter. Nathan, ce que tu as proposé, c'était très, très bien. Chris sur le côté, c'était très, très bien. Mais on doit encore aller plus vite. Et s'il vous plaît, maîtrisez. Maîtrisez votre sang-froid. N'ayez pas peur. Arrêtez. C'est des matchs de foot. Vous devez prendre du plaisir. N'ayez pas peur. Vous êtes entre copains sur un rectangle vert à prendre du plaisir ensemble. Et vous gagnez 1-0. Qu'est-ce qui... Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi trembler ? Pourquoi douter ? Faites-vous confiance. On a perdu des matchs 2-0, on a gagné 6-2. On a perdu des matchs 3-1, on a gagné 5-3. On a fait des folies ensemble cette année. On joue les avant-avant-derniers. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient en première mi-temps. On a le vent cette fois-ci. On a les quelques éléments que je viens de vous donner à rectifier. Rentrez en deuxième. Faites ce que vous savez faire ensemble. Et puis ça va très bien se passer. Ok les garçons ? Yep. C'est bon ? Yep. Ah, ok, cool. Queendom, please respect her rule. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Smile on the face, woody my place, but act ugly on cyber shape. Let's pump brakes, let's be frank. Running after him when you're the chase. You are the catch and he's the net. How quickly do we all forget to honor these small policies, my darling? You are the empress queen. Man, respect or he'll neglect. You are the wind beneath his wings. You are the season, you are the reason why this girl can breathe. Giving sons eyes to see and daughters dreams to believe. Anything less than the best for you is high treason, queen. Hurry up quick, and head face coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is her queendom, please respect her rule. Hurry up quick, El Jefe's coming soon. Sit up straight when she enters the room. Be enthused, but don't look too amused. This is a queendom.
l'équipe C, la Corée, il y a que des ballons derrière. Ouh, les gens qui ont eu peur là, les mecs ont parié beaucoup. Ça vient d'être dit, mais félicitations à la défense parce que vous avez fait un match complet. Oui, en face, ce n'était pas une grande attaque et ça n'est pas à 2000 à l'heure, mais on sait que notre concentration fait que parfois on peut lâcher des buts, donc vous avez été sérieux tous ensemble, mais ça appelle aussi les défenseurs au milieu de terrain et aux attaquants. Arrêtez-vous deux secondes, les gars, deux secondes, arrêtez-vous. Et merci aussi aux personnes qui reprennent. Je pense à Vincent qui a fait un match aujourd'hui, un match complet. Georges aussi qui est venu avec nous et c'est pas simple. Donc c'est bien. C'est aussi la force de notre groupe. C'est pas facile, on en a conscience. On va essayer de faire tourner au maximum tout en respectant aussi nos objectifs. Et bravo à tous pour votre implication. Rendez-vous dans deux semaines pour votre soirée.